Arrivé à 7h30 ce mercredi matin au Salon de l'Agriculture, Nicolas Sarkozy a commencé sa visite par un entretien d'un peu plus d'une heure avec plusieurs représentants syndicaux. Quel est le sens de votre visite aujourd'hui ? Aider les agriculteurs. Merci. Monsieur le Président, si vous voulez parler aux agriculteurs, c'est sur pleinchamp.com. Vous sortez d'une heure de réunion avec les syndicats. Qu'est-ce que vous avez dit aux syndicats ? On a parlé de l'avenir avec Xavier Bollin et tous les amis, et notamment de la nécessité de renforcer la compétitivité de l'agriculture française par une baisse massive des charges et par une réduction massive des normes. Quel est le message aujourd'hui que vous venez délivrer aux agriculteurs français ? Qu'il y a un avenir, que l'agriculture c'est le fer de lance de l'économie française et qu'il ne faut pas laisser tomber. On est en mars 2016, s'il y a une mesure d'urgence à prendre aujourd'hui, c'est quoi ? De baisse massive des charges et réduction massive des normes. Pensez que l'Europe a une réponse pour les agriculteurs. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas de réponse. C'est ça qui est triste. Une dernière question, M. Sarkozy. En 2017, vous êtes réélu président de la République. Vous commencez par quoi en agriculture ? C'est la même question que vous m'avez déjà posée trois fois. Allez, monsieur, on y va. Sortie de réunion à 9h précise, l'ancien président déambulera dans les allées du Salon de l'Agriculture jusqu'au début de l'après-midi.